Ok, c'est bon. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Je suis MDJ de Normandie et bienvenue pour cet épisode 173. Je viens de vérifier. Non, 173 ou 174? Je sais déjà plus. 174, excusez-moi. Oui, 174. Vous aussi, pensez à bien vous hydrater. J'enchaîne, moi, le tournage depuis le dernier épisode. Hein. Vous, une semaine s'est écoulée, mais moi, je vais tourner à la suite cet épisode du précédent. Donc, on est parti, et si ça ne dure pas trop longtemps, on fera le... comment, le... des tirages. Donc, on est parti pour l'encyclopédie des... Zarankar, Tracy, je sais plus comment. Voilà, donc j'ai toujours la même équipe que la semaine dernière. On va peut-être refaire une petite quête avec Nelia, histoire que ce soit sympa. L'encyclopédie des Zarankar. Certains d'entre vous se posent des questions sur les Zarankar. Cette rubrique leur est destinée. Une fois encore, je vais vous faire découvrir les Zarankar dans une atmosphère détendue et éducative. Aujourd'hui, nous allons parler des Espadas. Nous savons que les Zarankar sont des holos qui ont enlevé leur masque et gagné en puissance. Nous en avons déjà parlé, mais les épisodes précédents de l'encyclopédie des Zarankar, vous vous en souvenez certainement. Les plus doués d'entre eux se sont vus attribuer un numéro par le capitaine Aizen. Et parmi eux, les Zarankar possédant un numéro inférieur ou égal à 10 sont appelés Espada. Les Espada possèdent chacun un palais au sein de Las Noches. En général, c'est là qu'ils passent le plus clair de leur temps. Afin de mieux les connaître, nous les allons les observer. Ok. Ah oui, excusez-moi. Voilà. Oh, j'ai pas vu le... Attendez, 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 attendez. On peut refaire ça? L'animation de ses cheveux, elle est superbe. Oh bah génial, on va opposer Nelly à la Noitra, résultat. Ah mais qui voilà, c'est notre ami Noitra. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Allons, ne dis pas ça, passe quelques instants en notre compagnie. Le numéro de chaque Zarankar correspond à sa puissance. Ainsi, Noitra est le numéro 5, l'Espada 5. Ce qui signifie que parmi les 10 Espadas, sa puissance se situe au 5e rang. Hein, t'as fini de raconter n'importe quoi. Vu que tu n'as pas l'air au courant, je vais me faire un plaisir de t'enseigner que c'est moi le plus fort. Et une seconde. Non, sympa, on a eu Noitra, Neliel et Ichigo, là, l'un contre l'autre, on a refait le combat, quoi. Bon, sauf que ça a été un peu plus fulgurant. Eh bien, dis-moi, l'ambiance est chaude. Les Zarankar peuvent, par un processus appelé Resurrection, libérer leur capacité originale de holo scellée dans leur sabre. Cette libération de leur sabre leur permet aussi de multiplier leur puissance au combat. Enfin, elle soigne les éventuelles blessures qu'ils ont subies jusque pris Santa Teresa. Voilà, comme ça. Tu as fait tes prières parce que tu vas mourir. Ah, mais à la fin, laisse-moi finir mes explications. Ah, elle est trop kawaii, j'adore.
Elle casse des culs, mais elle est mignonne. Enfin, si nous allions jeter un petit coup d'œil dans un autre palais, il s'agit de celui de la seule femme fulgurant parmi les Espadas. C'est vrai? C'est vrai qu'Alibelle est la seule femme chez les Espadas, parce qu'après, bon, bah, ce sont ces fractionnesses. Ces fractionnesses sont exclusivement féminins. Mais c'est vrai que c'est la seule femme des Espadas. C'est vrai qu'il y a plus de parité côté Shinigami. Je m'en réjouis d'avance, pas vous. Ouais, après, elle a son caractère aussi, Alibelle. Ah, par contre, on voit Apache avant. Qu'est-ce que tu veux? Voici donc celle qui porte le numéro 3, Espada Tress. Les trois fractionnesses sont-elles aussi des femmes? Notons qu'elle entretient une relation de confiance particulièrement forte avec ses fractionnesses. Donc on a Apache, Mila Rose et Sunsun, évidemment. Et toi, de quel droit tu te permets de déblatérer à propos d'Alibelle? Tu cherches la baston, hein? Quel être primitif. Miséricorde, quel accueil. Bref, voici justement les fractionnesses de Alibelle. À droite, nous avons... Je rêve, tu nous ignores et tu continues ton discours à la noix. Tout le monde a le sang chaud par ici, personne ne me laisse terminer mes explications. Alibelle étant l'Espada numéro 3, ses fractionnesses sont-elles aussi très puissantes? Quant à Alibelle elle-même, ses capacités sont... Waouh! Fais bien attention. Excusez-moi. On n'espionne pas une femme impunément. Je te présente mes excuses. Ah, et on a Néliel. Alors, on l'a en petite et on va l'affronter en adulte. Eh bien, j'espère avoir apporté des réponses à quelques-unes de vos questions sur les arrancars. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis perdu, je cherche péché dans le Jaka. Ah bon, mais ils ne sont pas ici, tu sais. Ça, c'est super embêtant. On était en pleine partie de Chat Éternel. Et si je suis toute seule, je peux pas continuer à jouer à Chat Éternel.
Ah, je sais, t'as qu'à jouer avec moi, tu vois. Non, sans façon, pas maintenant. C'est parti. Attention, c'est un placard. Ah là là. Mais tu es... Bon, elle a moins résisté que dans l'Oriental Society. Hein. Comme vous le voyez, il y a de nombreux arrancars, tous différents. Voici donc celle qui était jadis l'Espadatress. Slide in. Alors, comment avez-vous trouvé l'encyclopédie des arrancars aujourd'hui? La prochaine fois, je vous dévoilerai tout mon fameux Infinite Slick. Encore toi. C'est pas bientôt fini de t'incruster dans mes rubriques, dans la rubrique des autres. Voilà. Donc ça fait toujours référence aux scènes post-crédit. Hein. Il y avait pendant un temps en post-crédit l'encyclopédie des Arrancars. Avec des explications complémentaires en fait au lore. Bien, voilà, on est à jour. On est à jour concernant les quêtes secondaires. Alors peut-être que entre-temps. Au moment où cet épisode sera publié et le temps de publication, parce que voilà, moi je tente ça début avril et je sais que c'est déjà prévu que cet épisode sortira début juin, je crois. S'il y a une histoire secondaire courant mai, et ben elle viendra la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, on va faire quelques tirages. On est à 11 minutes. On a fait ça en 11 minutes. Ça a été super rapide. Donc, on va faire un petit peu de loterie. On va faire un petit peu de loterie. Alors, voilà, on va certainement... Tac-tac. Je sais pas ce qu'on... Il y a pas vraiment de... Il y a rien vraiment qui m'intéresse. Je crois que je l'ai pas... J'ai un doute, mais je crois que je ne l'ai pas. Alors, le Ichigo, je l'ai. Mais Byakuya, je ne dois pas avoir cette forme, je crois. Donc voilà. En tout cas, voilà, on a de quoi faire. On a énormément de quoi faire. J'ai un ticket de loterie 6 étoiles, mais j'aime pas me servir de ces trucs-là. Donc on va attendre. Mais niveau 5 étoiles... Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, et puis voilà, j'ai une ticket de loterie aussi, 4-5 étoiles, on en fera, j'ai les tickets Brave Souls, j'ai la loterie Young TV, c'était un truc, c'était une tombola qui était organisée, je sais toujours pas utiliser, voilà, on a des tirages à faire, allez, on va quand même faire le truc 6 étoiles, parce que ça sera fait, mais j'aime pas tirer un 6 étoiles directement, je préfère faire l'étape de 5 étoiles, puis 6, allez, ce sera qui? Pour le coup, là, j'espère avoir un 6 étoiles que j'avais déjà. Pas un nouveau. Non, c'est Aizen. Donc, c'est un Aizen que j'avais déjà. Donc, ça, c'est pas un souci. Je le maxerai autrefois. Mais limite, les tickets de 6 étoiles, voilà. Limite, je préfère à la limite que ce soit pas des nouveaux, quoi. Allez! Ticket 5 étoiles. Voyons un petit peu. Est-ce qu'on a des nouveaux 5 étoiles? Être faible est un crime. Makoto, que j'avais déjà, je crois. Ouais. Donc peu d'intérêt. Donc on commence par les loteries où il n'y a pas vraiment de suspense. On sait que c'est des 5 étoiles. La question c'est est-ce que ce sont des nouveaux ou pas? Donne-moi ton Fullbring. Ok, donc ça c'est Ginjo. Donc pas de nouveau 5 étoiles pour le moment. C'est les 5 étoiles que j'avais déjà. Ah, c'est... D'accord. Ah, d'accord, c'était Iori. Est-ce que je l'avais déjà? Eh non, c'est une Iori que je n'avais pas. Donc c'est cool ça, je vais pouvoir la maxer. Elle va me rapporter 50 orbes déjà, rien qu'en passant 6 étoiles. Donc c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa.
Ce que j'allais dire, c'était pas la voix de Nemo qu'on entendait, donc. Et Love. Eh ben dis donc, deux visards, mais voilà, Love, j'ai toutes les versions de Love, je crois. Donc, de toute façon, c'est pas un nouveau. Ok, on a la loterie 4, 5 étoiles, donc là, c'est la grande surprise. Est-ce qu'on va avoir un 5 étoiles? Est-ce qu'on va en avoir plusieurs? C'est toujours un petit peu le... Ah, c'est souvent décevant, les tickets de 4, 5 étoiles. Eh ouais, et c'est décevant. Et c'est décevant. Parce que je n'ai aucun 5 étoiles. Et vu que j'ai fait du Spar 10, on va garder les six autres là. Et c'est parti pour les tickets Brave Souvenir. Ah non, on va faire les tickets Young TV là, parce que je sais pas ce qu'on peut avoir là-dedans. Enfin, j'aurais dû cliquer sur le i pour le savoir. Mais voyons un petit peu. D'accord. Bon, on a que dalle, quoi. On a que dalle, c'est pas grave. Bien. Eh ben, c'est parti pour les tickets Brave Souls, alors. On a 16 tirages à faire. Donc là, rien. J'espère à chaque fois avoir Orihime ou Tsukishima qui viennent nous sauver le tirage. Non. Ajizo. Eh ben, on est pas sauvé. Dordogne. Eh ben. Aizen. Décidément. Ok, encore Aizen, c'est pas grave. Pas ouf là, les tickets Brave Souls là. Pas ouf, pas ouf. Ah, quand même. Ça je crois. Oh. Ah non, c'est Renji, d'accord. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était Koga. Excusez-moi, hop. Ah, puis cette version-là de Renji, je l'ai déjà tellement de fois, ça sert à rien. Déçu. Bon, ok, on a Guine. Non, toujours pas sauvé. Ah, quand même. Encore un. Alors. Ishin, ouais, non, j'ai déjà cette version. Ouais. Pas de bol, pas de bol, pas de bol, hein. Il reste 5 tirages à faire. Ah. Quand même, parce que j'allais dire, on va tirer un 3 étoiles en plus, là, c'est pas ouf.
Oh non, encore un Renji. Ah, puis on a eu un tag team Yumichika aussi. Oh, bah là, en dessous de tout, là. En dessous de tout. En dessous de tout. Ouf. Ah, c'est... Ah non, c'est... D'accord, c'est... Je pensais que c'était Ultura, je sais pas pourquoi, mais je reconnaissais pas sa voix. Donc c'était Cayenne. Est-ce que c'est un nouveau Cayenne? Non, ce n'est pas un nouveau Cayenne. J'ai vraiment pas de chance. Je chope des 5 étoiles, mais c'est pas des nouveaux. Donc j'ai eu qu'un seul nouveau 5 étoiles aujourd'hui. Lunettes. Allez, dernier tirage. Et c'est perdu. C'est moi, ouais, comme Amora, ouais. Bon. Eh ben ouais. Bon allez, on a de quoi faire un tirage. Donc on va faire un tirage de la fête de printemps là. Eh c'est non! Eh c'est non! Eh c'est non! Eh c'est non! C'est non, c'est non! Déception. Déception, déception. Attendez, est-ce que j'ai des points en plus à prendre ici? Ouais. Hop. Donc, on va faire quelques loteries de cônes. On va pareil essayer de faire d'avoir quelques volontés du Hogyoku. Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que j'irai gratter un ticket de loto, hein. Ah, une. J'ai une volonté du Goku. Ah, une deuxième. Et de trois, ça fait un personnage libérable. Et le 4.
Eh ben, c'est pas la folie, hein. Ah, cinquième. Une cinquième volonté du Gyoku. Si c'est 7, ça fait 7 volontés du Gyoku. Ah, en avoir deux d'un coup, ça fait plaisir. La musique est cool, hein, du thème Oriental Society, enfin de printemps, c'est plutôt cool. Donc j'en étais à 7, hein. 7 toujours. Ça fait deux personnages libérables, c'est. Ça va aller. Ah, 8ème. 8 volontés, il m'en faudrait une dernière pour avoir 3, voilà, 3 personnages libérables. Ce serait l'idéal. Même si en vrai, j'ai besoin d'énormément de volonté du Goku. Hein. Ben voilà ma neuvième. Voilà ma neuvième volonté du Goku. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Il me reste deux tirages, je crois. Après celui-là. Ouais, c'est ça. Ah, dixième. Dixième. Allez, dernier tirage. Et non. Ça fait 10. Ça fait 10, ça fait 10. Ce qui fait que j'ai un total de. Quatre-vingt-dix-neuf. En manquait un, j'en aurais 100 pile poil. 99, ça fait 11 personnages libérables. C'est ça, hein? Parce que. Ah non, plus que ça. 11 x 3 ça fait 33, ça fait. Ouais, bah ça fait une trentaine, ça fait à peu près une trentaine de personnages libérables. Ah bah j'en aurai assez. J'en aurai assez puisque. Il m'en faut 4, 8. 8, 16. 16 et 8, 24. 24. 4, 32, 32, 32 plus 16, 48, 48, 49. Ah non, j'ai 49 personnages encore à monter 100%. Et encore, non, 40 plus que ça, parce que j'ai encore ces deux personnages là aussi.
Ça fait 51. J'ai 51 personnages encore à faire défoncer. Ouais, je peine un peu niveau volonté du Ogyoku, je vous avouerai. Puis même à maxer tout ça, hein, je vous avouerai que je galère pas mal. En ce moment, je galère pas mal. C'est pas ce que je voulais. Je voulais. On va maxer les quelques 5 étoiles que j'ai. Ouais, sans compter que j'ai pas compté les nouveaux 5 étoiles que j'ai. Eux aussi, il va falloir les monter. Bon, on va commencer par Yori. On fait ça un petit peu, on est qu'à une demi-heure, on va faire ça un petit peu ensemble. Bon, ça c'est classique, hein. Hop. On va voir si on peut pas faire un autre tirage quand même de la loterie de printemps. Est-ce qu'avec 50 de plus, non, ça passera pas. J'ai tombé à 174, ça ira pas. Ok. Bon, je vide un petit peu mon ma quantité de personnages là parce que ça fait beaucoup. Ok. Voilà, parce que je suis tombé en dessous des. Comme ça, je suis retombé en dessous des 700. 700 emplacements. Alors. Ouais, puis. Ah, puis il va me manquer des. Attendez. C'est quoi? C'est des. C'est des cristaux de quoi? C'est. Ouais, c'est de force. Attendez, parce que la force, ça, je peux en acheter. Ça fait longtemps que je suis pas tombé en cours de petits cristaux. Hop. Non. Mettre un renforcement. Tac, tac, tac. C'est des petites gemmes d'attaque, hein, qu'il me faut. Ouais, 200, ouais, allez. Ça fait 7000. Au moins, je suis tranquille pour un bout de temps, quoi. Et attendez, hop, je récupère aussi ça tant que j'y suis.
Ouais, donc c'est ça, 174, je pourrais pas refaire un tirage. Ouais, alors évidemment. Entre-temps, j'ai une nouvelle journée qui a commencé. Et j'aurai quelques cristaux à... Bah, j'aurai quelques persos à... Sinon, elle me demande combien? Ouais, cette clé. Hein. Après, des clés, j'en ai. Hein. J'ai 183 clés. Je pourrais utiliser des clés, mais... Mais je préfère encore, encore faire les quêtes avènements pour le moment. Je préfère économiser les clés pour vraiment quand j'ai besoin d'un personnage de le faire évoluer très très vite, au moins je peux. Voilà, après voilà, j'ai beaucoup de personnages, vous voyez, j'ai encore beaucoup de personnages. J'ai aussi, je suis assez content, j'ai eu aussi la Lisa de la de l'Oriental Society. Vous savez que j'adore Lisa. Dans le groupe des Wizards, c'est vraiment elle que j'adore. Et elle est vraiment pas mal. Bon, les serpents, c'est un peu chelou, mais... Voilà. Toc toc, on était où? Ouais, après voilà, après ce sera les autres 5 étoiles. Mince, pas là, ce sera les autres 5 étoiles qu'il faudra que je fasse évoluer. Mais... Mais voilà quoi, c'est des 5 étoiles que j'ai déjà en nombre. Et puis ce Renji là par exemple, je l'ai en. Je dois l'avoir en au moins 8. Peut-être que c'est mon 7e exemplaire, je pense. Donc voilà. Bref, sur ce, on a 37 minutes. Ouais, on va s'arrêter là. Le reste, je le ferai hors caméra. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il aura été rapide au niveau de l'histoire. Et on aura fait quelques tirages. Je pense que cette équipe-là, je vais la maxer ce soir, de toute façon. Surtout la Néliel, bon, elle va rester dans le stock. Mais je suis assez content d'avoir eu cette version. Excusez-moi. Et puis voilà, bah, je vais essayer de faire up mes personnages le plus vite possible là, parce que ça traîne, j'accumule du retard. Faut que je rattrape ce retard. Bien sûr, en faisant au maximum ceux qui ont pas de médaille. Comme ça, j'aurai des orbes et peut-être que pour la semaine prochaine pour vous, eh ben on fera un nouveau tirage parce que j'aurai accumulé des orbes. Voilà, on verra. Sur ce, je vous dis à bientôt.